Voici la salle de travail de Myron Wentz. Comme tout bon travailleur, le microbiologiste et immunologiste de renommée mondiale et également fondateur d'USANA Health Sciences s'entoure des meilleurs instruments. Le plus important, son outil, celui qu'il porte en lui et qu'il utilise depuis 40 ans dans sa démarche pour créer un monde plus sain, est placé à la fois sous son microscope et en lui. Cet instrument, c'est la cellule. La cellule est l'unité fondamentale de la vie, un petit miracle toujours à l'œuvre. Au fil du temps, j'ai observé tout ce que la cellule pouvait faire, au microscope et de façon macroscopique. Et c'est vraiment un miracle. La cellule n'a pas toujours été l'instrument privilégié de M. Wentz. Jusqu'à l'université, il préférait la musique et la trompette. S'il en avait été autrement, peut-être que sa boîte à outils aurait été remplie de partitions et il aurait eu un lutrin comme banc de travail. J'aimais passionnément la musique et les sciences. J'ai dû faire un choix déchirant, mais je savais que mon but dans la vie était de miser sur mes talents pour tenter d'influer sur la longévité, la santé et le bonheur des gens. Comme j'avais vu les conséquences d'une maladie dégénérative sur ma propre famille, mes parents, mes frères et mes tantes, je savais ce que je devais accomplir dans la vie. Il était très clair pour moi qu'il fallait que j'apporte ma contribution aux sciences de la vie. Les fortes aptitudes de Myron Wentz en sciences s'alliaient maintenant à un but précis, et c'est ainsi qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, un spécialiste de la cellule. Myron Wentz détient une maîtrise, ainsi qu'un doctorat en microbiologie avec une spécialisation en immunologie. Après avoir dirigé le service de microbiologie dans les hôpitaux de l'Illinois, Wentz est allé s'installer à Salt Lake City, en Utah, où il a fondé les laboratoires Gull. Pendant 20 ans, il a été pionnier dans le développement de trousses de tests de dépistage très à la pointe et dans la commercialisation du premier test homologué par la FDA pour le virus Epstein-Barr. Une des découvertes les plus importantes que nous ayons faites dans nos laboratoires, à partir d'une culture de cellules humaines, était que si les cellules croissaient avec tous les nutriments essentiels, dans une forme correcte, selon un juste équilibre et protégé contre les substances toxiques, ces cellules qui composent notre organisme demeuraient saines et ne se dégénéraient pas pendant des dizaines d'années. Cette leçon était importante pour M. Wentz et il a réfléchi à la meilleure façon de mettre son expertise au service de la nutrition cellulaire pour favoriser la santé. Je me souviens du jour où j'ai pris conscience de ce qui était offert sur le marché en matière de suppléments nutritionnels pour assurer aux gens une nutrition complémentaire à leur organisme. Quand j'ai vu à quel point c'était inadéquat par rapport à ce que nous fournissions aux cellules cultivées en laboratoire, j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait que j'intervienne. Et c'est ainsi qu'USANA a vu le jour. Fondée en 1992, USANA, un mot tiré du grec et du latin qui veut dire « santé véritable », fabrique des suppléments nutritionnels de pointe fondés sur la science qui sont conçus pour fournir une nutrition et une protection au niveau cellulaire. Selon M. Wentz, la nutrition cellulaire est la clé de la santé et de la longévité. Sur les 10 années suivantes, il a travaillé à la fois en laboratoire et en salle de réunion à faire d'USANA un leader du secteur. Wentz mit l'accent sur les partenaires scientifiques avec des centres de recherche réputés à travers le monde. L'une des relations les plus fructueuses est celle avec le célèbre Institute Linus Pauling de l'Oregon State University. Je me réjouis de ce partenariat car nous sommes sur la même longueur d'onde. Nos objectifs sont les mêmes et nous remplissons ensemble une mission commune passionnante. Je crois que le fait de s'entraider pour cette mission nous remplit tous d'enthousiasme.
Comme la nutrition est très importante pour préserver et maintenir la santé, il fallait que les suppléments nutritionnels soient absolument les meilleurs. Ils devaient réussir les tests de biodisponibilité, de pureté, voire une forme correcte, avec une concentration appropriée et dans un juste rapport. Rien ne pouvait être sacrifié dans le développement, la création et la fabrication de ces produits. Et cela a été la base du USANA. Nous optimisons et ne diminuons pas la puissance de la cellule. En 1998, Wentz a conçu un autre moyen d'apporter la santé au monde, le Sanoviv Medical Institute. Cette installation de médecine de pointe combine une approche holistique de la guérison en misant sur les processus de guérison des cellules propres. Un personnel international expérimenté formé de médecins, nutritionnistes, psychologues et experts en conditionnement physique s'applique à traiter l'esprit, le corps et l'âme. Dans sa jeunesse, Wen s'était donné pour mission d'améliorer la santé grâce aux sciences de la vie. Aujourd'hui, une multitude de gens dans le monde profitent des avantages à long terme de son travail. En juin 2007, il a obtenu le prix Albert Einstein pour ses réalisations exceptionnelles en sciences de la vie. Le prix Albert Einstein était un immense honneur décerné à un grand homme. Vous savez, j'ai travaillé avec des scientifiques de renommée internationale, comme le docteur Jonas Salk, des athlètes de classe mondiale, les astronautes de la mission Apollo et une foule de dirigeants d'entreprises Fortune 500. Pourtant, Myron Wentz reste la rencontre la plus marquante. Le succès dans les sciences et les affaires de M. Wentz lui a permis d'aider les gens à mener une vie plus saine grâce à un autre instrument, l'aide humanitaire. Depuis l'an 2000, il participe activement à l'œuvre du Children's Hunger Fund, se rendant dans des régions appauvries ou déchirées par la guerre en Amérique centrale, en Europe de l'Est et aussi en Afrique de l'Est, grâce à son apport financier personnel et à la transformation d'USANA en véhicule de dons, plus de 8 millions de dons à ce jour permettant au CHF de fournir des repas à des enfants souffrant de malnutrition. Ce que je peux offrir de plus important à ces enfants, c'est une bonne alimentation. Une visite dans le nord de l'Ouganda en 2004 a profondément marqué M. Wentz. Durant son voyage, il passe du temps dans un camp de réfugiés et constate par lui-même que la maladie et la malnutrition sont une réalité pour des milliers d'enfants dans cette région. Nous avons survolé ces camps de réfugiés pour atterrir sur une piste improvisée, entourée de misère humaine. Témoin de la vie médiocre de ces familles, hommes, femmes et enfants, et de tout ce que ces gens devaient endurer, j'ai su que je devais faire quelque chose, aussi modestement que ce soit. Le Wentz Medical Center à Gaba, en Ouganda, a ouvert ses portes en août 2005. Financé par M. Wentz, l'établissement dessert une communauté de 300 000 personnes traitées avec un équipement médical ainsi que diagnostic, non seulement financé, mais sélectionné par Myron Wentz. Mes rapports avec Myron Wentz se sont transformés en amitié. J'ai appris au fil du temps à apprécier l'amour et la passion qu'il portait en lui. Il a pour vision d'éliminer la douleur et la souffrance de ce monde, et c'est une joie d'être son partenaire. En plus d'engager USANA à travailler avec nous, il a lui-même apporté sa contribution. Son impact était si fort que nous avons pu accomplir ce qui nous paraissait irréalisable. En quelques années, un centre médical Wentz ouvrait au Cambodge. À mesure que d'autres personnes rejoignaient cette vision, les dons en l'honneur de Wentz sont afflués, permettant d'ouvrir un autre établissement au Malawi. En mars 2006, Myron Wentz recevait le prix CHF Champion des enfants. Les centres médicaux ne sont pas les seuls à porter le nom de Wentz. Inspiré par son autre passion, la musique, et par une visite au collège où il a étudié, le North Central College à Naperville en Illinois, Wentz a versé des fonds servant à construire le Wentz Center Hall et le Fine Arts Center.
Avec des projets philanthropiques en bonne voie et la réputation confirmée d'Usana en tant que leader mondial de nutrition cellulaire, Wens pouvait passer de ses fonctions de PDG à celle de président du conseil. Il a choisi lui-même les membres de l'équipe de direction chargée de perpétuer sa vision, à l'image de son fils Dave, désormais PDG d'Usana. Usana a été fondée par un scientifique et cette culture imprègne toutes nos activités. Myron Wens participe très activement à la recherche et au développement, veillant à ce que tous les produits Usana fassent une vraie différence pour la santé des gens. Encore aujourd'hui, sa vision et sa passion sont les forces motrices d'Usana. Voici la salle de travail de Myron Wens, docteur en microbiologie et d'immunologie. Bien qu'il maîtrise une foule d'instruments dans sa démarche pour bâtir un monde meilleur, c'est ici, sous le microscope, que sa mission a commencé et se poursuit. J'espère aider les gens à vivre leur vie comme elle se doit de l'être, en pleine santé. Il reste encore beaucoup à faire, mais avec l'appui de la grande famille Usana, toujours plus importante, nous allons multiplier les réalisations. Des centaines de milliers de gens adhèrent à cette vision et nous faisons tous ensemble une différence au niveau mondial.